Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de mon expérience marketing de réseau. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur mon expérience avec Itworks. Entre temps, il y a eu d'autres expériences et du coup, je vais vous en parler, autant de mauvaises que de bonnes. Donc c'est parti. Du coup, on va commencer par parler d'Itworks. Je vais donner le nom des sociétés parce que je n'ai rien à cacher et je ne vois pas pourquoi je le ferais. Ça a commencé début 2016, alors si je me trompe pas, même pas, ça a commencé en 2017, début 2017, janvier-février 2017. Je voulais être indépendante, je voulais travailler à la maison parce que je voulais fonder une famille, que je venais tout juste d'être diplômée depuis 6 mois de préparatrice en pharmacie, je connais les horaires, etc. Et pour moi, c'était impensable de continuer dans ce milieu-là. Du coup, j'étais rentrée un petit peu de force chez Itworks parce que je ne voulais pas trop, j'avais du mal, je connaissais pas. Et bien évidemment, en me disant « mais oui, je vais t'aider, je serai là pour toi, ici et nan, je me suis dit « bon, ok, je tente ». Mon conjoint était contre, complètement. J'ai testé et j'ai complètement foiré, ça m'a dégoûtée du marketing de réseau, de la vente à domicile, j'étais vraiment dégoûtée. J'ai arrêté, j'ai fait les vidéos, en plus on m'a demandé énormément de fois comment ça s'est passé, mon expérience, d'où la vidéo que je mettrai en description si ça vous intéresse. Et du coup j'ai coupé tout court à tout, honnêtement vraiment tout. Puis début 2018, j'ai ma tante qui a fait une réunion Tupperware et c'est vrai que je me suis dit bah pourquoi pas Tupperware, c'est connu, c'est fiable en France, etc. Donc en rentrant en fait, vu qu'elle était d'Auvergne, en rentrant à Orléans, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas essayer Tupperware. J'ai trouvé une marraine et en fait avant de en gros signer, il fallait faire notre premier atelier et on trouvait personne. Et elle nous a abandonné lâchement comme une merde, on n'avait plus de réponse. Donc, encore une fois, dégoûtée. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas fait pour nous, je ne sais pas. Voilà, clairement dégoûtée. Et ensuite, donc en 2018, j'ai accouché de mon fils et j'avais utilisé les produits Rivadouce. Donc je connaissais très bien les produits. En 2019, ils ont commencé à faire de la vente à domicile et j'ai vu ça du coup en 2020, tout début 2020. J'ai vu qu'il faisait ça, ça m'intéressait. Et fin 2020 même, fin 2020, j'ai découvert qu'il faisait de la vente à domicile. Sauf qu'en fait, j'étais enceinte de ma fille et je ne pouvais pas commencer. Mais je me disais, Rivadouce, société française, etc. Je me suis dit, pourquoi pas tenter? Pour au moins un complément au début. Vraiment, pourquoi pas? On ne sait jamais. Et j'avais continué mon métier en pharmacie. Et j'étais vraiment dégoûtée, clairement, en plus 2020 avec le Covid etc, ça m'a dégoûtée à 100%, je voulais juste me casser. Donc, étant enceinte et en arrêt maladie, je n'ai pas pu commencer, j'ai dû attendre juillet 2021 pour pouvoir commencer, c'est ce que j'ai fait. Même si mon conjoint est encore contre, là je me suis dit non t'inquiète pas, c'est une société française etc. Voilà, là au niveau de l'égalité, on peut pas faire mieux quoi. J'ai démarré, j'y suis restée 8 mois, donc j'ai fini au mois de mars 2022 et en fait j'arrivais à vendre un tout petit peu mais honnêtement ça me dégageait au maximum que j'ai fait c'est 50€ de commission. Donc c'est pas avec 50€ de plus par mois qu'on peut faire quelque chose, surtout que bah, j'avais rien d'autre à part Pôle emploi. Donc bien évidemment ça ne m'aidait pas du tout et en fait au fur et à mesure du temps j'ai eu des soucis avec eux etc. Bref ça m'a dégoûtée aussi. Donc après beaucoup d'hésitations, j'avais une très très bonne équipe, par contre très bonne équipe, j'ai décidé de partir parce que je savais que je ne pourrais pas évoluer. J'ai décidé de rentrer dans une autre société française de cuisine cette fois-ci, qui est Guy de Marle, et là tout s'est très bien passé. Il y a eu un petit changement au niveau du plan de rémunération, mais moi ça ne me concerne absolument pas. Vu que je ne suis pas leader, manager, etc. Ça ne me concerne pas, donc je reste parce que franchement, je trouve que c'est une très bonne société. Quelques inconvénients, mais voilà, je développe uniquement en réseaux sociaux. Je ne développe pas en atelier à domicile, donc moi, ça ne me concerne pas non plus. En fait, c'est voilà, je fais le minimum chez eux, mais ça me plaît énormément. Donc si vous voulez plus d'informations, bah, par exemple, sur de la vente à domicile culinaire, n'hésitez pas parce que franchement, c'est très bien, c'est différent du Tupperware.
Et c'est vraiment une très belle société, mis à part ça, parce que niveau formation, vraiment ils sont top. Il y a énormément de Zoom, de formation, de live. Hein. Bref, je suis très ravie pour l'instant de cette société. Et j'ai décidé du coup, début avril, de rejoindre une deuxième société de cosmétiques parce que je voulais vraiment rester dans les cosmétiques. Et j'ai trouvé la société parfaite. Une société française aussi. C'était très important pour moi de bosser avec des marques, des sociétés françaises. C'était quelque chose d'essentiel pour moi. Tout ce qui est bio, enfin en fait tout ce qui est avec mes valeurs, c'était essentiel. C'est-à-dire que Guy Démarle et Jolie Moi, c'est mes valeurs. C'est Guy Démarle, zéro déchet, mieux manger. Jolie Moi, c'est des marques bio françaises qui prennent soin de la femme, qui ont... Voilà, et en fait, j'ai trouvé ça et vraiment, je ne suis pas déçue parce que en 3 mois, j'ai doublé mes commissions. J'ai déjà monté une belle équipe et j'en suis ravie. Je vais faire une vidéo Jolie Moi, je pense, la semaine prochaine pour vous en dire un petit peu plus si vous êtes intéressés. Concernant Guy Démarle, j'ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai en description aussi si ça vous intéresse. Jolie Moi, je ne l'ai pas encore fait parce que je voulais attendre quelques mois avant de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Là, j'en suis complètement ravie. C'est... Voilà, je rêve et je me vois évoluer. C'est une société à laquelle je me vois vraiment, vraiment, vraiment évoluer. Je vais quand même vous dire pourquoi j'ai rejoint Jolie Moi. Parce qu'en fait, c'est du multimarque. C'est une société qui fait du multimarque. Donc, on recommande, on vend plusieurs marques. On en a plus de 50. Et c'est des marques connues, on a MAC, Dermatologica, donc il y a du français et du américain, mais c'est en gros il y a 80% d'européens. Donc MAC, Dermatologica, Okaran, Delab, Birdie, Coco Solis, enfin voilà, il y en a plus de 50. Je vous donne des noms comme ça qui me viennent en tête et qui sont quand même très connus. Mais en fait, c'est surtout parce que ça me rappelait la pharmacie et surtout la parapharmacie. J'ai travaillé en para pendant 5 mois et ça me rappelait ça parce que j'adore conseiller, j'adore recommander. Quand j'ai lancé mon compte Instagram, c'était vraiment pour ça de base. Et je voulais rester dans ce truc-là et en fait, chez Jolie Moi, j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé bien plus que vendre des cosmétiques, des compléments alimentaires. J'ai trouvé une équipe, des fondatrices, j'ai trouvé une société qui est vraiment top. C'est 4 femmes qui ont fondé Jolie Moi. Donc déjà, c'est une société féminine. Et elle nous pousse toujours à aller plus loin, elle nous pousse à nous dépasser, à... Voilà, c'est vraiment top au niveau du plan de rémunération. Il est génial quand on monte une équipe, on peut se développer mais tellement vite. Je vois des femmes en 6 mois bah, gagner plus qu'un SMIC en fait. Elles peuvent démissionner si elles ont un travail à côté parce que... Enfin voilà, clairement je pourrais en parler pendant des heures. Je vais faire une vidéo plus tard, la semaine prochaine, pour vous en parler. Mais c'est vraiment une société de dingue. On est tellement motivés, poussés à aller plus loin et à réussir que j'étais tellement dégoûtée que là, j'ai tout l'inverse en fait. Mon cerveau s'est retourné entre guillemets. Je suis hyper heureuse et je me vois évoluer, je me vois progresser, je me vois vraiment aller plus loin. En termes de formation, et en fait c'est même pas la formation interne, en termes de formation, bah déjà réseaux sociaux, produits, on est hyper bien formés, c'est juste incroyable. Mais en termes de formation, de développement d'équipe, de développement, de vente, etc. On est, enfin en fait nos leaders nous donnent vraiment toutes leurs astuces pour réussir. C'est pas faites ci, faites ça, mais entre guillemets, vous voyez, c'est vraiment tu fais ça, ça et ça. Enfin, elles te donnent les astuces concrètes. Elles te donnent des choses à dire, des textes, des trucs pour vraiment réussir. On ne peut pas faire mieux, vraiment. Donc bref, si vous voulez avoir plus d'infos et ne vous voulez pas attendre ma vidéo, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Mais vraiment voilà, je suis hyper satisfaite parce que j'ai trouvé bien plus. Et je me rends compte qu'à quel point Rivadouce, c'était vraiment très bien. Mais à côté, c'était nul. Enfin voilà, c'est comme ça. Je ne trouverais pas mieux honnêtement. Bref, je vais m'arrêter de parler là parce que je dis tout et n'importe quoi tellement j'ai envie de dire deux choses et tout ça. Bref, je vais faire une vidéo structurée la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Là, c'était vraiment pour vous dire à quel point on peut être dégoûté et se dire jamais de la vie, je recommencerai. Et finalement,
on a un coup de cœur pour un concept et on se lance et on se dit, vas-y, je m'en fous, je teste, on verra bien ce que ça donne. Et comme je vous ai dit, en fait, j'ai doublé mes commissions, c'est-à-dire que bah, de 50 euros, je suis passée à 140 euros. Bah, j'ai plus que doublé, du coup, j'ai quasiment triplé mon chiffre d'affaires, mes commissions. Mais vraiment, j'ai fait. Enfin, voilà, en 3 mois, j'ai déjà une équipe. En 3 semaines, j'ai recruté 4 personnes. C'est incroyable, vraiment. Vous avez un concept, vous avez pour 50 euros, parce que le kit de démarrage est à 50 euros, un business clé en main et on vous donne vraiment tout. On est dans un groupe avec une leader incroyable qui génère quasiment 1 million de chiffres d'affaires. C'est juste énorme. Et voilà, enfin. C'est juste incroyable. Vraiment, si vous voulez une société de cosmétiques et bien-être avec des compléments alimentaires en plus français, pas forcément cher, de très 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 bonne composition, n'hésitez pas. Vraiment, foncez. Si vous avez des doutes, je serai là pour vous répondre. Parce que moi aussi, j'ai eu la peur de ne pas réussir à vendre. J'ai eu la peur de ne pas réussir à recruter. Ou même de base, en fait, je voulais même pas recruter, mais je me suis prise au jeu et j'ai adoré ça. Voilà, n'hésitez pas, j'ai créé un groupe qui s'appelle la Victorious Family et je fais tout pour aider des femmes, que ce soit pour leur bien-être, pour les aider en faisant de la recommandation ou pour aider des femmes à devenir indépendantes. Parce qu'en fait, pour l'instant, dans les 4 femmes que j'ai recrutées, on a toutes le même objectif, on sait où on va et on va y aller. Et je vous le promets qu'on va réussir. Ça peut prendre peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, mais on va y arriver. Et j'espère vraiment pouvoir bah, peut-être travailler avec vous si vous êtes intéressés. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir monter un groupe comme ça d'entraide et on réussisse à se dépasser et aller plus loin et atteindre nos rêves. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé, vous aura montré qu'on peut être dégoûté, mais qu'on peut s'en sortir et trouver quelque chose qui nous plaît et être indépendante parce que c'est le but. Le marketing de réseau nous rend indépendante et nous rend bah, bien plus que ça. C'est vraiment quelque chose de génial. C'est absolument pas pyramidal, c'est absolument pas une arnaque. Il faut juste trouver le bon truc, il y a des sociétés à éviter, il y a des sociétés à privilégier et voilà pour ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine ou les prochaines, peut-être qu'il y en aura d'autres, à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez des messages, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.